L'opéra bat la campagne, pour ça pas de Barnum aux 1000 décors, ni d'orchestre grand format. Opéra en poche se veut un nouvel outil pour attirer au théâtre lyrique. Et voilà une avant-première avec Fred Roman du Château et François Gibert. En 2013, l'ancien théâtre de Châtellerault, classé du 19e siècle et actuellement en rénovation, devrait résonner d'air lyrique. En attendant, Opéra en poche répète dans la salle de la Toupane. La première structure permanente de théâtre lyrique de la région présente Rita, l'opéra comique de Donizetti, un petit chef-d'œuvre du bel canto interprété par trois solistes, un ténor, un baryton et une soprano. Et trois musiciens, une pianiste, un violoncelliste et un clarinettiste, un spectacle d'une heure, une structure mobile simple pour un opéra lyrique itinérant. Opéra en poche veut donner à la sous-préfecture de la Vienne sa place dans le panorama culturel régional en diffusant l'art lyrique le plus largement possible à la recherche d'un public nouveau. Pour lui faire découvrir in vivo, véritablement, ce qu'est le théâtre lyrique. Et lui faire découvrir que, ma foi, c'est pas du tout ce qu'il imagine, c'est pas du tout quelque chose de très sérieux, d'abscon, de difficile, etc. Mais au contraire que c'est quelque chose qui peut les émouvoir, qui peut les amuser, qui peut les intéresser.